Bon, je te résume. Le meurtrier noie sa victime en lui faisant avaler de la neige. T'as compris? La neige fond, il n'y a plus de preuves. Allô? Oui, c'est différent. Avec ça, tu peux augmenter ton lectorat chez les Esquimaux. Qu'est-ce que t'en dis? Super, j'adore cette tenue. Je me donnerai pour la voir. Merci. Je vais te raconter l'autre intrigue. Les filles trouvent le cadavre d'un jumeau siamois qui tient un revolver. D'accord? Elles doivent découvrir quel jumeau a tué l'autre. Ça te plaît? Oh! Et si en fait c'était pas un meurtre, peut-être qu'il s'agit d'un suicide. Personnellement, j'adore l'idée des jumeaux siamois. Des ennemis qui partagent les mêmes organes. C'est bien tordu. Oui, les tricoteuses de Willow Grove allant au royaume de Siam. Les filles utilisant leurs aiguilles comme des baguettes. Classique. C'est pas le royaume de Siam, ça s'appelle la Thaïlande depuis 1948, tu savais pas ça? Et... Dorine déteste prendre l'avion. Je suis contente que ça te plaise. Tout à l'heure, je vais me laisser un message sur le répondeur avec plus de détails. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Tu t'es mis de la peinture sur le bras. Oh! Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Boucle d'oreille. Ah oui! Il devrait adapter tes romans au cinéma et engager une célèbre actrice oscarisée pour interpréter l'énigmatique ami peintre que tu n'aurais aucune difficulté à ajouter à l'intrigue. Je ferai part de tes suggestions à Hollywood. T'en dis quoi? Ah, superbe! Oh, je suis trop en retard. Je trouve ça super que t'ailles à la rencontre de tes fans. Oh! Ça va? Oui, ça va. Au fait, Fritz est furieux que je m'en aille. Oh, il s'en remettra. Mais le plus important, est-ce que je peux t'emprunter des DVD? Je parie que t'as tous les films qui existent. J'ai des films qui n'ont même pas encore été tournés. Baume à lèvres, baume à lèvres... Baume à lèvres, baume à lèvres... Je sais pas où il est. Oh, c'est pas grave. Pourquoi je m'inflige ce genre de choses? Tu peux me le dire. Pour l'argent que tu vas gagner. Prends-le et amuse-toi avec. Je vais déposer ce que je vais gagner à la banque. C'est amusant, non? Salut toi. Tu vas me manquer. Sois mignon avec Patty pendant mon absence. Allez, en route. Au revoir, Fritz. Appelle-moi à ton retour ce soir. On prendra un verre de vin. D'accord. Oh. J'ai branché l'alarme. Tu connais le code. Tu te débrouilles, hein. Et voilà. Oh, du beau malais. Oh, merci. Je t'en prie. Allez, salut. À ce soir. Hey, tu la remets plein la vue, hein. Compte sur moi. Salut. Salut. À tout à l'heure, les filles. All the roses seem to fade, and somehow I lost my way. Dans 3 km, prenez la bretelle d'accès vers la A84 Nord. Tu donnes toujours les meilleurs chemins, Sam. Tournez à droite. Maintenant. Vous avez atteint votre destination. Ah, merci Sam. De temps en temps, je devrais t'emmener te promener. Tu dois avoir des crampes. Bonjour. Ah, vous avez pris la 84, exact. Oh, Ramona Norwell, je suis la présidente des 3B. Le téléphone, c'est bien, mais c'est mieux de se voir en vrai. Oui, Ramona. Tess, très chouette de mettre un visage sur une voix. Oh, à qui dites-vous? Oh, magnifique GPS. Oh, en fait, c'est incroyable comme il arrive à digérer les informations qui proviennent de boules de métal remplies de technologies qui tourbillonnent dans l'espace. Vous avez raison, qu'inventeront-ils ensuite? Ah. Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait prête. Comme je vous l'ai écrit dans mon mail, nous sommes toutes des fans fanatiques de vos tricoteuses. Je vous ferai un chèque de l'association des 3B dès que vous aurez fini la conférence. J'ai même mon stylo personnel. Bien sûr, c'est vous la présidente. Oui. J'espère que vous avez fait bonne route. Oh, interminable. La A84 est la pire autoroute d'Amérique. C'est vrai. C'est plus rapide à pied. Je peux facilement vous faire gagner une heure avec un chemin différent.
Oh. Une route avec de jolies vues, des écureuils qui chantent et tout et tout. Oh, je dirais pas non à un raccourci, merci. Comme Dorine Marquis, votre personnage le plus sensible le dirait dans Les tricoteuses de Willow Grove vont à Dallas, ce qu'il y a de meilleur dans la vie, c'est rentrer par un raccourci et des bons croissants chauds. Plusieurs de nos meilleurs membres ont payé davantage pour vous rencontrer avant votre discours. Vous allez les adorer. Et d'où vous viennent toutes ces merveilleuses idées, Tess? Eh bien, croyez-le ou non, ce sont elles qui me trouvent. Elles savent toujours où je suis. Ma vie, écrite par Tess Thorne, serait un best-seller. Vous croyez? Les biographies érotiques. 51 nuances de Grey. Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux trouver un agent? On me pose cette question tout le temps. Et je leur dis, n'arrêtez pas d'envoyer des lettres jusqu'à ce que le plus avide d'entre eux lise ce que vous écrivez. J'aimerais vous faire lire les grandes lignes de mon livre, si c'est possible. Tess, je peux prendre une photo avec vous? Et moi? Dites, c'est mortel! C'est mortel! Si vous le voulez bien, parlons de meurtre et de mutilation. Étant donné qu'ils sont le revers de la médaille du rêve américain. On me demande souvent si, quand j'écris, je m'inspire de la réalité pour créer mes personnages. En vérité, ce sont mes étranges et diaboliques tantes qui ne vivent que pour colporter des commérages qui ont inspiré les personnages des tricoteuses de Willow Grove. À propos de mes autres personnages, je suis un peu mal à l'aise de dire ça. Depuis l'enfance, disons que j'entends des voix dans ma tête, de toutes sortes, masculines, féminines, vieilles, jeune, un mystérieux mélange d'êtres humains que je n'ai jamais rencontré. Ou j'atterrissais dans une cellule capitonnée, ou j'étais publiée. Dans les deux cas, je dirais que le plus important à propos de l'écriture, c'est que, en tant qu'auteur, je crois bien maîtriser la nature humaine. L'auteur doit tout connaître de nos contradictions, de nos mensonges que nous aimons déguiser en vérité, de nos peurs que nous aimons déguiser en force, de la cupidité et de l'esprit de vengeance qui nous anime et que nous ne voulons pas reconnaître. Dans mes romans, comme dans ma vie, je suppose, seule la logique compte. Enfin, la plupart du temps. Vous avez été formidable. On en a eu pour notre argent. Merci, je les ai trouvés extraordinaires et j'ai vendu quelques exemplaires. Oh, j'ai vu. Le Carrefour de la mort, c'est un grand classique, hein? Richard Widmark jouait dedans. C'est mon acteur fétiche. Je suis tombée amoureuse de lui quand j'étais jeune, après avoir vu Le Carrefour de la mort. C'était un homme si rassurant, si invincible. Il a même signé ça pour moi, en personne. Il était déjà très vieux, mais c'est sa vraie signature. Pas un temps pour encreur. Waouh, c'était un très bel homme. Je vais m'assurer que vous ayez toutes les photos prises aujourd'hui. Je vais vous écrire le chemin. Mieux vaut couper droit à travers la forêt de Robin des Bois plutôt que de faire un grand tour pour l'éviter. On va programmer la route des cerfs et la route 47. Oh, la route des cerfs est très pittoresque. Le bitume était un peu rapiécé, mais pas trop bosselé la dernière fois que je l'ai prise. C'était au printemps, quand les pires bosses apparaissent. Oh, je déteste les bosses. Ensuite, quand vous serez sur la 47, vous croiserez une pancarte qui indiquera l'autoroute 84. Vous n'aurez que 20 km d'autoroute à parcourir. C'est l'avantage de ce chemin. C'est plus court, ça évite les tensions. Vous aurez plus de temps pour vous et plus tard, vous nous remercierez, les 3B et moi. Vous allez bientôt atteindre la route des cerfs. Tournez à droite en 1 km 6. À tes ordres, Sam. De l'intersection de la route des cerfs et de la route 47 sur la commune de Colwich. Oh. 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 C'est quoi ça? Calcul de l'itinéraire. Oh. Faites demi-tour si vous y êtes autorisé. Merci, Sam. Je n'aime pas cet endroit.
Les Baba Zombies, c'est un nom de groupe stupide de toute manière. Pas de réseau. Super. Salut. Salut. Merci de vous être arrêté, c'est vraiment gentil. Les planches là-bas, est-ce qu'elles étaient au milieu de la route? Oui, et malheureusement, une des planches a crevé mon pneu avant droit. Ah, un coup de chance. J'ai essayé de joindre une des panneuses. Ouais, je sais, ça passe pas dans le coin. Bienvenue dans ce trou perdu. Ouais. Ah, vous en faites pas. Si vous avez un pneu de secours, je vous le change. Mmh. Oh, c'est adorable, merci, j'apprécie vraiment. Vous êtes une bénédiction. Waouh. Ah oui, je sais. Vous aviez pas imaginé rencontrer le géant vert au milieu de nulle part, pas vrai? Non, je me disais que c'était pas votre camionnette qui vous portait, c'est plutôt vous qui la portiez. Jamais entendu dire ça comme ça, mais c'est pas faux. Quand je vais gagner à la loterie, je vais m'offrir un bon vieux moteur V8 350. Vous pourrez en acheter deux pour les souder. J'aime votre façon de penser. Merci encore de votre gentillesse. Ça me ferait plaisir de vous donner un peu d'argent. Ah non, jamais de la vie. Demander de l'argent à une demoiselle en détresse, c'est pas très patriote. Vous êtes un gentleman? Ouais. Et puis vous m'avez évité de grosses complications en ramassant les planches sur la route. Ouais. Entre bon samaritain, on se serre les coudes. Ah, je peux vous parler d'un bon samaritain, un camion avec un squelette dessiné sur le côté et passé devant sans s'arrêter. Il y a un chauffeur qui est passé devant, sans même vous offrir de l'aide? Bon, en fait, je crois qu'il m'a pas vu. Il a poursuivi son chemin? C'est vraiment nul. Ouais, vraiment nul. Je suppose que la roue de secours est dans le coffre? Oui, tout ce que vous avez à faire, tirez la poignée, je connais, j'ai déjà fait. Bon, alors. Vous êtes romancière? Oui, j'écris des romans policiers. Ah, j'aime bien les bonnes enquêtes. Ça va être adapté au cinéma? Ce serait bien. Je suis incapable de me servir de tout ça. Eh ben heureusement pour vous, je sais exactement ce que je dois faire. Comment est la roue? Ronde. Avec plein de petites inscriptions gravées dessus. Vous avez presque terminé? Eh ben, j'ai une idée. Et si au lieu de changer ton pneu, je m'occupais de toi à la place. Ah, pitié, t'es plutôt pitié, pas mal. Et pleurniche, la petite blonde. Je vous en prie. Prends ça. Je vous en prie.
mordu. Sale pute. Hé! Thank you.
C'est bon. Il y avait... J'ai vu une camionnette. Il y avait un homme. C'était une camionnette. Oh, mon Dieu. Vous allez écrire un livre sur ça qui vous rapportera de l'argent. Ça vous plaît que tout le monde soit au courant? Traînez. Vous l'avez encouragé. Faut toujours que vous attiriez l'attention. Vous lui avez donné un autographe? Vous avez fait des selfies avec lui pour vos bouquins? Et votre culotte, il l'a prise aussi? Et concernant les cadavres de ces femmes dans les égouts? Vous n'allez pas prévenir la police? C'est Tess, laissez un message. Il y avait un homme que j'avais jamais vu. Une grosse camionnette. Il m'a frappé et il m'a violé. Une camionnette. Je l'ai déjà dit, ça. J'en sais rien. Je me souviens pas de tout. Il était grand. Énorme. Ma montre est cassée. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il a. J'ai marché jusqu'ici et j'ai mal à différents endroits. Il faisait semblant de jouer de la guitare et il chantait. Pendant... Il m'a traîné dans un conduit d'évacuation. Il faisait froid, l'eau était
Merci, monsieur. Merci. Il avait laissé des planches sur la route avec plein de clous dessus. J'avais un pneu à plat et je me suis vue en train de me faire violer. Merci à vous. Comme si j'étais spectatrice. Merci. Et j'ai vu deux femmes mortes dans le... dans le conduit. Non, je dirais plutôt qu'elles étaient trois. Trois femmes. Police secours, j'écoute. Andrea à l'appareil. Oui, bonsoir, c'est Tess Thorne. Bonsoir, Madame Thorne, comment allez-vous? J'ai besoin qu'on vienne me chercher. Vous êtes sûre de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Quoi? Je peux m'arrêter quelque part, si vous avez besoin de quelque chose. Il y a une bouteille d'eau dans la coudoir. J'ai besoin de rien. Ça va passer, très cher. Je suis là pour toi. Je serai toujours là. Toujours. Partez pas avant que je sois à l'intérieur. Bien sûr, Madame Thorne. Je ne vends pas d'armes, je vends la paix de l'esprit. Vous avez deux nouveaux messages. Hey, c'est moi, j'ai pas vu de lumière chez toi ce soir, alors je suppose que t'es resté dormir là-bas. T'as eu envie de t'enfuir avec un fan à Belize? Oh, au fait, j'ai pris tous tes DVD, une sorte de crise de boulimie. Désolée, je m'ennuie à mourir, il se passe rien d'intéressant dans ma vie. Contrairement à quelqu'un que je connais. Message suivant. Il y avait un homme que j'avais jamais vu. Une grosse camionnette. Il m'a frappé et m'a violé. Une camionnette. Je lui ai déjà dit ça. Je me souviens pas de tout. Il était grand. Énorme. Et mais je vais vous raconter pour rien oublier parce que j'arrive pas à réfléchir. Le message laissé sur mon répondeur n'avait aucun sens. Mais les
souvenirs refont surface et je vais tout écrire. Tout ce qui me revient, en tout cas. Une légère commotion, peut-être. A priori, pas de fracture. Suivante, s'il vous plaît. Tu l'as reconnue? C'est la fille qui écrit des romans avec des vieilles femmes détectives. Son copain doit la tabasser. Ou pire. Elle l'a peut-être cherchée, elle n'a pas l'air commode. Une fois que les gens sauront ce qui s'est passé, ils me traîneront dans la boue. Fritz Patouche. Quand j'aurai fini d'écrire, je n'irai pas voir de médecin. Et personne ne saura rien. Je ferai le test du sida, un dépistage des MST, mais rien d'autre. Personne ne saura ce qui s'est passé. Parce que si ça se sait, certains diront que je l'ai bien cherché. Je n'ai pas à avoir honte. Mais je sais comment ça se passe. Et ces pauvres femmes dans le conduit qui sont mortes? Je ne sais pas, je dois réfléchir. Je préviendrai la police, mais pas maintenant. Je sais juste que si je le vois, je le tuerai. Et vous savez ce que je lui dirai en premier? Viens me chercher. Il a pris mon sac. Il sait où j'habite. Je devrais appeler la police. Passer un appel anonyme pour leur indiquer le lieu. Leur donner sa description. Un homme de sa corpulence avec cette camionnette. Ils vont le trouver facilement. Tu as raison, Fritz. J'y gagne quoi, moi? Oh, c'est pas vrai, dans quel état t'es? Je te promets que c'est pas si terrible que ça en a l'air. Je vais très bien. Non. J'ai trébuché dans les escaliers après mon discours et j'ai bien failli me tuer, mais je me sens bien. Mais tu passes ton temps à trébucher ou à tomber. Je suis écrivain, ça m'arrive d'avoir la tête ailleurs. Tu as vu un médecin? Non, c'est inutile d'en voir. Je te répète que je me sens très bien. Je me sens très bien. Mais si t'as eu une commotion ou un traumatisme? Mais arrête, j'ai pas de commotion. Je le saurais si j'avais une commotion. Tu veux du café? D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce que t'es sûre que ton nez est pas cassé? C'est pas... Je trouve qu'il a l'air d'être cassé. Eh bien... Tu veux du café avec ton sucre? J'adore le sucre. Ça fait bondir mon cœur. C'est sympa de se voir. Ça a pas l'air d'aller. Si mon ex m'avait rendu une visite surprise, j'aurais sûrement la même sale tête. Personne n'oserait lever la main sur toi. T'as du répondant comme fille. Je suis une bagarreuse, j'imagine. T'as l'air enrouée. Ouais, j'ai la gorge qui gratte. Avec ce qui s'est passé, je pense que j'ai pris froid. Allô? Je cherche à joindre Tess Thorne. C'est moi? Betsy Neal, la gérante du Stagger Inn. Le quoi? Le Stagger Inn à Colwich. Oh, je suis désolée, c'est mon éditrice, je dois absolument la prendre. On s'est pas parlé.
Et en plus, je suis cassée. C'est pas grave. Je vais m'allonger. D'accord. D'accord. Prends soin de toi. Je t'appelle dans la journée. Entendu. Oui, allô? Vous possédez une voiture hybride immatriculée dans le Connecticut 775NSD? C'est exact, oui. Eh ben, elle est sur notre parking. Vous pouvez passer la prendre jusqu'à 17h. Après, elle sera remorquée à vos frais. Merci. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est pour la voiture hybride ou pour l'autre? La voiture hybride. C'est bien vous. Je vous reconnais. Vous êtes l'auteur des enquêtes de Willow Grove, les nanas qui tricotent. Je plaide coupable. Ma grand-mère adore vos bouquins. Merci beaucoup. Les grand-mères aiment ces romans. Si cette maladie se transmet à la prochaine génération sans déambulateur, je vais pouvoir m'acheter un beau château en France. Eh, j'espère que ça vous est pas arrivé ici. Beaucoup de gens laissent leur voiture et acceptent d'être accompagnés par des inconnus. M'en voulez pas, mais... Vous avez vraiment rien à faire dans un bar comme celui-là. Si ça venait à se savoir, ma grand-mère serait super déçue. C'est logique. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Un petit copain méchant peut être plus venimeux que les crochets d'un serpent. Quoi? Vous tirez ça de la Bible ou d'un magazine féminin? De toute façon, on est séparés. Ouais, je connais des tas de femmes qui disent ça, et ensuite elles reviennent. Un type qui fait ça une fois, il recommence un jour ou l'autre. C'est fou le nombre de gens qui se sont produits ici. Kenny Blue Scatter, Elena Dove, c'est joli comme nom. Elle est partie à L.A. Elle est jamais revenue. Ça doit être chouette. Merci encore. Vos clés. Ouais, c'est mieux. Hé, hey, Tess, vous pouvez signer un autographe pour ma grand-mère? Vous pouvez mettre « Pour Marie, une vraie fan ». Avec grand plaisir. Un homme nous a aidés, mon copain et moi, quand on était... Vous savez, sans lui, je serais sûrement plus amochée. J'aimerais le remercier, mais je connais pas son nom. Je sais pas si je vous ferai d'un grand secours. Ça va, ça vient, les types ici. Avec mon copain, on s'est arrêté à la supérette qui se trouve après l'échangeur. C'est là que la dispute a démarré. Ce type est arrivé à bord d'une grosse camionnette et je me souviens m'être dit que c'était lui qui la portait et pas le contraire. Il était costaud comme mec? Ou super costaud? Une sorte de géant. Hein? Ces grands chauffeurs que vous me décrivez. Oui, mais je sais pas où il habite. Il doit avoir des hauts plafonds chez lui. Il est de la région. Je le vois souvent en ville. Si vous le voyez dans les parages, soyez gentil. Ne lui parlez pas de la conversation et appelez-moi pour me prévenir. Je veux lui faire une surprise. J'aimerais lui offrir un petit cadeau. C'est très gentil. Je vous remercie pour votre aide. Hé, hey, Tess. Beaucoup de femmes sont victimes de mauvais traitements. On vous a fait du mal?
quand j'avais 12 ans. Il m'a menacée avec son couteau. J'avais tellement peur que j'ai pas bougé. Ensuite, le couteau s'est enfoncé. Oh, c'est horrible. J'ai cru que c'était la fin du monde. Il y avait du sang. Beaucoup de sang. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Je sais, la solidarité. Entre sœurs, on reste soudés pour toujours. Mais je déteste qu'on me touche. Je vous comprends. Bon, allez. Faut que j'y retourne. Bonjour, Tess. Tu m'as tellement manqué, Sam. Merci. Content de te revoir. On part en balade? On rentre à la maison, Sammy. Dans moins de 100 mètres, restez à droite en direction de la A84. J'ai réfléchi, Tess. Tu es sûre que ce qui est arrivé n'était pas prévu? Tu aurais pu rentrer chez toi en empruntant cette autoroute. S'il te plaît, arrête. Mais quelqu'un a eu une meilleure idée et t'a conseillé un raccourci. Ramona Norwell? C'est un peu tiré par les cheveux. Oh, je débloque complètement, je débloque complètement. Quelqu'un de cinglé ne formulerait pas de si bonnes suggestions. Laisse-moi tranquille. Tess. Quoi? 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 Je déplore que cet homme t'ait fait du mal. D'accord, Ramona aime cet homme. Et elle m'a dit que c'était son film préféré. Vous savez ce que je veux retraiter? Je les abats en visant le ventre. Je les abats en visant le ventre. Il a joué des rôles plus gentils. Non, je suis malade. Détachez-moi. Non. Allez, en route. Où est-ce que vous m'emmenez? Non. Non. Fallait pas côtoyer le balance. Pas dehors. Plutôt curieux ce personnage. Mieux vaut couper droit à travers la forêt de Robin des Bois plutôt que de faire un grand tour pour l'éviter. C'est peut-être une parente. Sa mère, sa sœur. Non, trop vieille pour être sa sœur. C'est peut-être une mère qui rend souvent visite à son fils et qui automatiquement conseille aux gens de prendre ce chemin. Mais pourquoi elle ne l'a pas dit? Quand je passe voir mon fils, je passe toujours par là. Non, c'est pas logique. Bon, allez. Mariage. Strelki. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Strelki Rosco est décédé subitement en 2002. Le corps a été retrouvé pendu et le voisin a confié à la police que Monsieur Strelki était perturbé à cause des nombreux problèmes liés au comportement de son fils aîné. Et si au lieu de changer ton pneu, je m'occupais de toi à la place? Oh, espèce de salaud! Il était perturbé à cause de son fils. Son fils aîné. Agression, peut-être violence sexuelle.
qui deviennent de plus en plus graves. Peut-être que le vieil homme s'est suicidé parce qu'il n'arrivait plus à le supporter, ou c'est peut-être Ramona qui l'a pendu parce que... j'en sais rien, Ramona m'a prise en photo. Ensuite, elle lui a envoyé par mail, elle lui a envoyé ma photo pour avoir de l'avance. Pourquoi ? Elle lui a envoyé un SMS qui disait... Quoi ? Je t'envoie une autre très mignonne avec laquelle tu vas pouvoir t'éclater ! Qu'est-ce qu'elle lui a raconté ? Que j'étais peut-être... C'était un piège. C'était peut-être un piège. Et si... Mettons que j'aille la voir... Je la regarde droit dans les yeux et si elle est surprise de me voir en ville, là je saurai. Tu as raison, Fritz. Je dois régler ça sans l'aide de personne. Étant donné ce qu'il m'a fait endurer, je n'ai pas le choix. Dans le club des tricoteuses, on n'a pas l'habitude de réagir violemment. Pourtant, nous assumons de nous montrer vindicatives lorsque les circonstances sont suffisamment odieuses. Mais j'ai une mise en garde à te faire. Quelle mise en garde, Dorine? C'est une mise en garde la plus simple qui soit. Ne pas se faire prendre. Si tu te fais attraper, il y aura des répercussions et... Ça ne fera que confirmer que ta manœuvre a échoué à trois niveaux différents. Le premier, ton plan n'a pas marché, par conséquent, aucun de tes rêves ne se réalisera et tu n'auras plus rien. Le deuxième, une fois attrapé, tu seras plongé dans un bourbier juridique qui te fera tomber en disgrâce. Tu iras sûrement en prison, sans parler de la possibilité de tomber sur un camarade de cellule ennuyeux et de mon refus subséquent de venir te rendre visite, étant donné que je déteste les endroits trop déprimants. Le dernier, mais non le moindre... Le troisième, tu seras condamné à vivre avec cette terrible contradiction que malgré ta très grande perspicacité, un détail t'a sans doute échappé. Cette omission te torturera et t'empêchera de dormir et hantera chacune de tes pensées. Petit à petit, tu deviendras complètement folle. Je vais prendre mes précautions pour ne pas me faire attraper. Très bien, très cher. À nous deux. Réveillez tous les voisins. Salut Tess. On part en balade à ce que je vois. Une grande balade. Le moment est venu, alors ? Je connais le chemin idéal. Oui. Atteint votre destination. Sois prudente, Tess. Cette femme n'est pas gentille.
Anna. Comme je suis heureuse de vous voir. Recule. T'avises pas de crier ou je te bute. T'as plutôt intérêt à me croire, la vieille. Pourquoi vous voulez me tuer? Si vous tirez avec ce revolver, tout le quartier va vous entendre. Ça n'a pas d'importance parce que tu vas bientôt mourir. Va là-bas. Si tu fais tout ce que je te dis et que tu réponds à toutes mes questions, tu seras peut-être encore en vie demain. Est-ce que t'as compris? Recule encore. Vous êtes sérieux? Là-bas, j'ai dit! C'est moi ce que vous venez de faire ici! Tu t'attendais pas à ça? Tu pensais que j'étais en train de croupir dans le conduit? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non! Arrête de mentir! Maman! Je l'ai vu dans ton regard quand tu as ouvert la porte. Tu croyais que j'étais morte, hein? Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Tu vas tout me dire, espèce de taré. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis combien de temps tu fais la rabatteuse pour ton fils assassin violeur? Quand est-ce que ça a commencé? Quel âge il avait? Il a dit quoi? C'était juste pour s'amuser? Vous êtes venu à la bibliothèque. Nous vous avons tous accueillis chaleureusement, vous pouvez pas dire le contraire. Et vous avez même reçu une très généreuse contribution. Et tout à coup, vous débarquez chez moi en brandissant une arme et en tenant un tas d'accusations extravagantes. Ton fils m'a d'abord violée. Non. Il a essayé de me tuer. Et il croit qu'il a réussi à me tuer. Non. Et c'est toi qui m'as envoyé à lui. Non, je ferai jamais ça. Et lui non plus ne ferait jamais ça, c'est pas vrai. Si, il ne ferait jamais une chose pareille. Lâche ça, dégage, sale garce, lève-toi de moi. T'es une écrivaine de merde. Et t'as été une conférencière de merde. Tu as dit que mon nouveau roman était fantastique dans ton introduction. J'ai menti. L'autre conférencier a annulé, c'est pour ça que je t'ai contacté. J'avais personne d'autre. Tes intrigues sont téléphonées et tes vieilles dames tiennent pas la route. C'est sévère, Ramona. T'étais parfaite pour mon fils. Maman, redresse-toi. Il allait s'en faire une. Je sais reconnaître les signes. Je t'ai envoyé de ce côté-là. Et je suis contente qu'il t'ait baisé. Il aurait dû te tuer. Je sais pas ce que tu pensais faire en débarquant ici, mais voilà ce que tu mérites. Aidez-moi. Ramona. La première règle quand on possède une arme, c'est de jamais placer de balle dans la chambre qui se présente la première devant le canon pour éviter de tuer quelqu'un accidentellement. Ah, je me sens... Je sais pas si ça se dit, mais je me sens un certain lien de parenté avec ton ami Richard Widmark en cet instant. Tu sais ce que je fais aux traîtres, chérie? Je les abats en visant le ventre, comme ça. Ça, ayez pitié de moi. Il faut jamais dire à un auteur qui fait de la merde, le pire qui est en nous ressort, je prends mon métier d'écrivain très au sérieux. Vous comprenez pas. Vous pouvez pas faire ça. Vous commettez une erreur. Je pense que l'erreur, c'est toi qui l'as faite, Ramona. Tu aurais dû faire castrer ton bon à rien de fils dès que tu as découvert ce qu'il était. Il faut que vous m'aidiez.
6 heures qu'on est là, Sam. Peut-être qu'il va rien se passer. Les choses arrivent quand elles le doivent, Tess. Oui, c'est arrêté pour acheter un café et un beignet. Et s'il est marié? S'il a une femme qui l'attend? Les gars comme lui n'ont pas de femme. Aucune qui reste longtemps, en tout cas. Il y avait une seule femme dans sa vie, elle est morte. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes garé là? Oh, je me suis arrêtée pour avoir un meilleur signal. Ah oui? Oui? Vous semblez un peu perdu. Oh, ça va, je fais toujours cette tête-là, question d'habitude. Vous devriez essayer au bout de la rue, près de l'intersection, ça capte mieux. Super, merci beaucoup. Ces appareils font faire moins de kilométrage. Oui, j'ai rarement besoin de faire le plein. L'essence coûte cher aujourd'hui. C'est sûr. Qu'est-ce que vous faisiez près du camion? Comme je vous l'ai dit, j'essayais d'avoir un meilleur signal. Ça capte que dalle ici. Faites attention à vous. C'est promis, merci. Apparemment, une nuit calme pour la lutte contre la criminalité. Calcul d'un nouvel itinéraire. 24-40, Hilaire Fissette. Destination est sur votre droite. Ce n'est pas la bonne adresse. Oui, je sais, mais si son camion est là, c'est qu'il y a une raison. Non, c'est trop tard. Il a peut-être raison, ma chère. Tu as déjà eu du mal avec la mère, et il est bien plus balèze qu'elle. Si tu comptes agir, je te recommande vivement de t'y mettre sur le champ. Plus tôt tu commenceras, plus vite ce sera réglé. Thank you.
Tu es Tess, comme tu comptais le faire. J'ai pas tué le bon type. Erreur d'identité, très chère. Ça arrive. Christophe Colomb a cru que l'Amérique était l'Inde. Et puis je dois reconnaître que l'éclairage de cet endroit n'est pas excellent. La question est de savoir pour quelle raison le pauvre père s'est tué. S'est-il suicidé parce qu'il avait trop honte de son monstre de fils ou est-ce qu'il allait tout dire? Et c'est maman qui l'a supprimé en maquillant le meurtre en suicide. Les êtres sensibles épousent souvent des êtres cruels. Jeune homme, quelle est la bonne version? Dis-lui. Dis-lui. Ça suffit, Dorine, arrêtez! Ça suffit. Non, tant que tout n'est pas réglé, très chère, et tu le sais, c'est ton obsession. Un cadeau qui te vient de ton enfance chaotique. Non, non, j'ai... Non, 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 je parle à un personnage que j'ai créé et à un homme que je viens de tuer. J'ai perdu la raison. Et tout le monde avait prédit que ça t'arriverait. Pourquoi lutter? Pourquoi tu conduisais son camion? Il prend toujours mes affaires, lui aussi. Il a mes jeux vidéo et il refuse de me les rendre. Tu es son frère. Quand ses filles disparaissaient, tu questionnais ta mère? Personne ne lui pose de questions. Jamais. La famille ne veut plus rien dire. Dans notre dernier roman, il y avait ces trois horribles triplés qui se faisaient passer s'il pour te plaît, l'autre. Dorine, pourquoi tu n'as rien dit à personne à propos de ton taré de frère? J'en sais rien. Il avait peur, évidemment. T'avais peur de lui? Pas de lui. J'avais peur d'elle. J'ai tué un homme innocent. Il n'y avait aucun moyen de savoir qui il était. Tout s'est passé si vite. Ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Non. Je me suis expédié moi-même en enfer. Un point pour toi, Tess. Mais pourquoi ne pas s'assurer que l'autre y arrive en premier, hein? On va à l'adresse que j'ai programmée. Tu veux dire celle qui n'était pas cette adresse? Exactement, petit malin.
vrai malade. Elle est partie à LA. Elle est jamais revenue. T'es morte. Non. C'est ta maman qui est morte. Et ton frère. Idée. C'est au lieu de te laisser t'en aller. Non, me tue pas. Non. Je te tuais, qu'en penses-tu? Fais pas ça, je t'en prie. Pitié, non. Pitié. Si je peux intervenir, très cher, abat-le par où il a péché. Lui, le monde sera meilleur. Si
c'était toi, et dans une certaine mesure, je le suis un peu, je ne ferai pas de vieux os et je partirai. Tu vas pas t'en tirer comme ça, espèce de garce. Oh, pour l'amour du ciel, sale pourriture, c'est terminé. Elle va s'en tirer. Je n'ai pas tué un innocent. Ils étaient tous les deux coupables. Une partie de moi est morte après ce qu'ils m'ont fait. Mais ce qui reste de moi est plus fort. Tu es prête à rentrer à la maison, Tess? Ta nuit a été longue. Oui, rentrons à la maison. Si je puis me permettre, très cher, comme j'aime à le répéter sans arrêt aux filles, lorsqu'on résout un crime, il ne faut jamais négliger le plus évident. Quand on est un meurtrier, très souvent, on oublie d'effacer les indices. Qu'est-ce que j'oublie, Dorine ? Ne pas se faire prendre. Je suppose que j'ai toujours eu cette violence en moi. J'ai refusé de l'admettre, comme la plupart d'entre nous, mais ça m'a permis d'écrire 12 romans où les personnages se font assassiner de sang-froid, alors ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. Je suis heureux. Je serais perdu sans toi. Je ne cherche pas d'excuses pour ce que j'ai fait. Je ne prétends pas non plus l'avoir fait l'esprit dérangé. J'ai appliqué la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je me suis fait justice. J'ai écrit le nom d'Elena Dove à l'arrière de sa photo. Ça aidera peut-être sa famille. Avec un peu de chance, la police identifiera les autres. Et si ça les mène jusqu'à moi, s'ils trouvent des preuves pendant leur enquête, qu'il en soit ainsi. Mais je n'irai pas me dénoncer. J'ai payé le prix fort.
Ah, vous pouvez lire ça pour moi? Je veux voir ce que ça donne. C'est quelque chose d'un peu différent. Oh, bien sûr, très cher. Étant donné que les émotions et non la logique constituent les clés de tout type de comportement humain et de tout type de crime, dit Doreen Markey, tandis que les autres membres du club des tricoteuses écoutaient, je propose qu'on fasse évoluer les priorités dans nos enquêtes, qu'on mette davantage l'accent sur les aspects psychologiques que sur les aspects scientifiques. C'est très bien, ma chère. C'est le début du prochain livre. Vous pouvez en lire un peu plus? La logique ne suffit pas à résoudre les crimes, dit Doreen avec sa manière bien à elle d'articuler. Nous devons considérer que l'émotion est le vrai moteur afin de mieux comprendre pourquoi les hommes commettent l'impensable. Parce qu'en l'absence de toute logique, on participe tous un peu aux choix profonds que nous faisons dans nos vies. Vous en dites quoi? Pour être franche, je crois que c'est le moment. On ne peut pas toujours agir par politesse et être logique, n'est-ce pas? Parfois, il s'agit de seulement vouloir se venger. Vouloir se venger. Le club des tricoteuses de Willow Grove riposte de Tess Thorne. Allô? Allô? Je sais ce que vous avez fait, Tess. C'est bien, ma grande. Betty?